Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Lego. Du coup on va devoir continuer le mode histoire. C'est parti. Chers citoyens, le syndicat des justiciers a besoin de vous. Le récent cambriolage du musée de Gotham serait l'œuvre de criminels désireux de mettre la main sur des artefacts extraterrestres à des fins abjectes, évidemment. Alors, ouvrez l'œil et appelez-nous si vous voyez ou entendez quoi que ce soit d'inhabituel. Quoi que ce soit. Ultraman. Plutôt Stupidman, ouais. Il s'est pas dit que demander à ces abrutis de derrière de nous appeler s'ils voyaient quoi que ce soit d'étrange serait peut-être une mauvaise idée. Mais sérieusement? Tu n'as peut-être pas tort, Johnny. Des assistants se sont fait emprisonner dans un rocher et ont laissé filer Black Adam. Quoi? D'abord Power Ring et maintenant toi? Les vilains de cette terre ne sont pas là pour rigoler. Chaque victoire sur eux donne plus de crédibilité à notre couverture. Et nous en avons besoin pour continuer les recherches. Ça, c'est ton avis. Je pense qu'il est grand temps de montrer à ces bouffons qui sont les nouveaux maîtres de cette planète. N'oublie pas, on nous a promis ce monde dès que nous aurons trouvé l'artefact. J'en ai vraiment ma claque de cette histoire de héros. C'est vraiment trop nul d'être gentil. Qu'est-ce qu'il y a, Flipper? Intéressant. Excellent. C'est l'heure de partir faire un petit voyage, on dirait. Quoi? On devrait peut-être rentrer à la base. Absolument. My comprendo. On part devant. On se retrouve à la base. Ok. On se retrouve à la base. Je crois qu'il peut voler, voilà. Ça va, quand il va vite en vrai. Plus vite que quand il vole pas. Alors, faut passer par où? Faut passer. Je ne sais où. Je vais aller vers là-bas, on va voir. On va aller voir. Ah non, pas du tout. Je pense pas du tout que c'est vraiment vers là-bas. Ok. Je pense que c'est cette route-là. Vas-y, descends. Ok. Non, c'est pas là. Ok, c'est peut-être là-bas alors. Je vais aller voir. En dessous. Hop. Là. Ah, voilà, j'ai trouvé. Mince. Vol, mon grand. Vol. Mais. Il me saoule, lui. Et. Teddy, vol. Tu vas voler, oui ou non? Là, on peut voler, regarde, très loin en plus. Regarde. Hop, on peut passer entre les arbres. Mais le tonnerre, j'ai perdu toutes les pièces. Oula, c'est quoi? C'est leur base, ça? Ça doit être leur base. Par contre, arrête de voler, là. Voilà, oui, continuez le mode d'histoire, ça fait que 4 minutes qu'on a commencé. Vraiment ? J'hallucine. C'est fascinant, je vous remercie. Formidable. C'est dans la boîte, Jimmy ? Quelle interview instructive. Ce témoin a vu un membre du syndicat rater son coup en essayant d'empêcher un crime. Je me demande ce qui peut bien retenir Superwoman pendant que le Joker et Harley Quinn sont dans la nature. Ce n'est pas ce qu'on attend des super-héros. Non. Absolument pas. Il y a quelque chose d'énorme qui se trame en coulisses, et on va tirer ça au clair. Ok. Oh. Je vous ai enfin trouvé. Maintenant,
maintenant, je vais faire ce qu'on aurait dû déjà faire lorsqu'on est arrivé ici. Occupe-toi d'elle. Lâchez-moi. Les soucis sont là, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? La prise du jour. Harley, non. Dame Lière, un gros monstre marin qui rôde. On doit s'abriter. Pouvez-vous nous accueillir dans le hall de la fatalité, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il veut? On est en danger! Cache-nous! Quoi? Non! Le monstre marin a emporté le hall de la fatalité, mon ami! Et vous, vous allez m'aider à les retrouver. Parfait! Mais où est-ce qu'il l'emmène? Drôle de nom pour une pieuvre. Ah, d'autres amis. N'importe quoi. Je vais vous faire regretter de m'avoir suivi. Le roi des mers. Personne ne kidnappe mes amis. Rends-toi, roi des mers. Il ne peut y avoir qu'un souverain des océans, si c'est moi. Assez parlé. Attends, mais si c'est que ça. Ah oui, mais c'est bien ce que je veux. Précieuse. C'est pas que ça. Et tout ce qu'elle contient. Et tiens. On va prendre lui. On va voir ce qu'il fait. Il me saoule là. Bolos. Yo, Bolos. Bolos. Ici. Vas-y, viens, je t'attends. Hop. Aïe, il me pique les fesses. Et là, attaque spéciale. Ça fait un peu mal, ça. Démonte-le, Que tu vas, roi des mers. C'est bon, je suis déjà un requin. Va me tuer. Je suis ton frère. Je suis ton frère, j'ai dit. Ça me convient. Même une pieuvre géante ne saurait battre King Shark. J'apprécie ton enthousiasme, mon grand. Mais papy, qu'est-ce que tu fais? Je suis élaboré pour venir à bout de cette créature. Oh, papa. Deux flats. Hop, t'es mort. C'est mon père. C'est ma mère. Attends, je construis et tu me laisses. Et tu peux pas manger, nanana. Ah, je peux manger, nanana. Hop, je tourne ce machin et ça va faire... Ah, on pêche. Ok, on pêche. C'est bien de pêcher aussi. On s'amuse bien. Ça va l'arrêter, ça. Il nous faut... Il faut se calmer. Calme. Voilà. Là, on va tirer. Laissez-moi vous montrer à quel point Mère Nature est tellement puissante pour ce qu'il a fait. Je n'en suis pas si sûr. J'ai l'impression que le roi des mers contrôle cette pieuvre grâce à une forme de télépathie. Vous n'avez aucune chance. Ah oui, ouais. Une petite télépathie. C'est pour ça qu'il est le roi des mers. Mais en fait, il peut être en télépathie avec tout le monde. Et même nous. Et tiens, prends ça. Roi des mers.
Tiens, roi des mers, bronze des mers. Roi des mers. Roi des mers. Mais pourquoi je peux plus rien faire? Je peux plus taper ni rien. Voilà. Mais c'est son poulpe qui me fait ça. Son poulpe. Mais prends des coups de poing, coups de pied, coups de tête. Une surprise pour vous. C'est quoi? Vous regrettez de m'avoir suivi maintenant, pas vrai? Ce maudit roi des mers est encore plus insupportable. Tu vas te calmer, toi? Ils ont combiné leurs pouvoirs. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait nous aider à les vaincre tous les deux. Ah. C'est pas pour les requins. Kim Shark n'y arrive pas. Tu me mords pas. On mord pas. On mord pas, GD. Voilà. Au revoir. Ok, ça va être encore un piège, je pense. Là. Bon, et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Mettez un like et activez la cloche. Et moi, Starkest, vous mettez sur Lego.